Alors moi, je suis assez confiante parce que je pense que les acteurs l'ont répété avant les élections, ils l'ont encore dit la semaine dernière, les pouvoirs organisateurs, les syndicats, les associations de parents ont rédigé ensemble ce pacte qui est un ensemble de mesures qui court sur 10 ans avec des équilibres à l'intérieur. Donc celui ou celle qui voudra revoir ses équilibres aura à discuter avec les acteurs et je pense que c'est la première fois, c'est assez historique, qu'on soit avec un texte fondateur comme celui-là qui est progressivement mise en œuvre. Et donc j'ai vraiment confiance parce que pour moi, la garantie de ce pacte, ce sont les acteurs eux-mêmes. Ça aurait pas été mieux que le CDH reste au pouvoir pour le défendre ? Le CDH a fait le choix de l'opposition. C'est un choix, je pense, qui est courageux parce que nous estimions que nous n'avions pas assez de poids électoral dans les différentes entités pour peser dans les décisions. Et personnellement, de là où je suis suivrai très personnellement la mise en œuvre du pacte.